Hello le monde, ici c'est Nubio et on se trouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Play de Fable 2 numéro. Voilà, en gros je pense que c'est ça. Je pense, hein. Je t'en prends du coup près. Donc voilà, nous en sommes là et nous allons entrer vers les couloirs hurlants. L'avant de l'arène. L'arène, c'est pas pour tout de suite. On y est pas loin. Mais pas tout de suite. Un petit défi nous attend avant tout ça. Un défi de qualité, de maître Kama, je voudrais dire. De grand truc, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'autre. Qu'il y a l'autre taré qui veut qu'on. Oui, creusons! Je sais, mais vous n'y arriverez pas en vous faisant dévorer, pas vrai? Bah. Qui sait ce qui nous attend par ici? On doit faire très attention. On pense à faire dévorer, hein. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la route passe par cet endroit. Il n'aurait pas pu couper quelques arbres plutôt? On peut creuser par là? Si c'est pas. Si c'est pas, si je comprends pas, c'est pas grave. Yeah! T'as parlé d'un con. Oh, pour une bourse de sang, oui, si on s'en fout d'être con. Alors, la dernière fois nous étions. On s'était passé contre une branlée de Balverine, je dirais. C'était pas une tripodeuse, c'est une branlée quand même. Une contre quand même. Le jammer là. Ça donne envie? Oh! Ah oui, je voulais aussi faire quelque chose, je voulais enlever la poussée magique pour mettre les boules de feu qui m'allaient plutôt efficace, je pense. Parce que la poussée magique ça va 2 minutes, hein, mais les boules de feu c'est cool. Voilà, t'as plus de gosse. Ah si, t'en as encore. Pardon. Ah meurs, tu fais chier. Voilà, bon. Nique ta grand-mère. Bon allez, c'est juste pour le fun. Et voilà, ça fait pas trop de dégâts, quoi. En train de Balverine. Allez, mais... voilà. Mais ta gueule. Tiens. Oh. Je crois que pour les Balverines il faudrait des trucs en argent, je crois. Soit de l'éclair ou du feu ou de l'argent, je crois. Oh non, ça me va bien, ça fait d'XP. Sans pitié, sort de là rapidement. On doit pouvoir faire quelque chose. Oui, c'est vrai, on peut faire quelque chose là. J'ai pas regardé là, désolé. Mais ils ont regardé alors qu'ils mettent des monstres. Ils sont intelligents les mecs quand même. Si je tape l'autre, ça va pas aller. Eh, je regarde ça. C'est bon, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, je vois. Ce pilier semble fragile. Ouais, il semble. Super, on va avoir un pont. Il faut... mais d'abord, on va booster ses capacités. Hein. Donc, force, mode fury, non, on s'en fout, physique. 36 000. Pouh. Où ça, 27 000, pouf, non, merci. Alors déjà, je suis désolé pour la poussée magique, mais je récupère. Hein. Poussée magique, ouais. Poussée magique, ouais, dégage. Ouais, dégage. Et on va mettre le brasier, parce que brasier c'est cool, 21 000, ouais, carrément. Carrément, je pense que c'est beaucoup mieux.
Et après, on va... c'est secteur de sort. Ouais, ça c'est boule de feu, ça. Ouais, boule de feu, ça c'est plus résistant, c'est nickel. Quoique, on va mettre comme ça. Juste pour vous voir, vous voyez. Voilà. Pour le feu, pour le feu. Allez, petite potion aussi. Oui, je coupe le temps. Hein, donc, bon. Vous avez le dune, hein. Potion. Potion, tout ça. Et ta mère. Ah, donc ça, c'est une palverine blanche, donc. Et elle fait mal, salope. Capacité en secteur de sort, on va trop mettre. Non, on peut pas. Là, je peux. Merci, trop aimable. Voilà, on va remettre ça et aïe. Oh, pétasse. Plus rapide comme ça. Et ça fait beaucoup de tours, enfin, beaucoup d'XP. Bon, c'est que t'as de la force, allez donc. On peut lui attendre. On peut faire avant que l'autre arrive, non? Non. Profil de veau? Non? Blague pourrie, yeah. Pardon. Allons-y. Ah, un trésor. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool. D'accord. En fait, je repose. Une bourse. J'aime les bourses. J'aime les bourses. Donc quoi, nous allons arriver enfin. C'est pas Jack of Blades, ça? On dit pas, non, je pense pas. Du 1, le boss de fin du 1. Je crois. D'après mes souvenirs, hein, je... Là, je crois avoir vu ça, c'est ça. C'est cool. Eh ouais, j'y vais voir ton chien. Eh ouais. Tu te sens comment? Tu te sens mal, le chien, hein? Pardon. Ouais, on entend pas l'autre débilos derrière là. Et Westcliff, c'est pourquoi la reine? C'est bientôt, hein, sans se déconner, là Westcliff en fait c'est la reine. Voilà, donc ça va être cool, très très cool. Je pense que j'ai un peu m'équiper mieux que ce que j'ai là, hein. Pas niveau vêtements non, je top classe. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait des vêtements, enfin des armures proprement dites, qui fassent plus défense, tout ça, je sais pas. Je sais pas. Je me regarde dans la glace et j'ai l'air d'un con. Je ne pense pas que ces trucs nous suivront dans la lumière. Beaucoup meurent en tentant d'arriver. Tac, ta gueule. Tu vas devoir réussir. C'est le seul moyen d'intégrer l'armée de Lucien et de trouver Garth. Évident. Wow, regardez-moi ces dollars. Tu es perdue, petite? Je crois que c'est un mec. Ouais, c'est pour ça que c'est insultant, espèce d'imbécile. Non, pas tellement. Je crois qu'on a trouvé le cerveau de cette opération. Waouh! T'as appris à ton troll de compagnie à parler. C'est fun, ça. Allez, vous avez le temps de jouer un peu avec nous, non? Ouais, on va jouer un peu. Vous voulez jouer? Et qu'est-ce que tu dirais de jouer à un petit jeu avec ma massue et ta tête?
C'est ce que je voulais faire avec ma hache. Je me demande s'il y a des critères pour rentrer. Dans l'arène, je veux dire. Tu crois qu'il faut signer une sorte de décharge? Montrez-nous un peu ce que vous avez dans le ventre. Vous en êtes capable? Vas-y. Ouais, montrez-nous. Vas-y, je veux. Je préfère les ignorer. Trop pas. Vous êtes intimes, tous les deux, non? Comment? Mana! Ça c'est fait. Toujours voulu me le faire ce dégât. Je me rappelais de cela et... Il fallait que je me le fasse. Donc voilà, nous sommes à l'entrée de l'arène. Nous ne sommes pas encore, mais bientôt. Marchand d'armes, qu'est-ce que t'as à me proposer? Est-ce que t'as quelque chose d'intéressant, oui ou merde? Acheter une arme. Ouh, c'est beau ça. Oh, on me fait une masse. Oh là là, vache. Si j'ai mis ce truc, ouais, je peux pas tout de suite, hein. À moins que je spam à mort le forgeron, mais j'ai pas très bien envie. Du tout, même. Non, je verrai, je pense qu'après la reine, je pense que j'aurai beaucoup de sous. Ah, je peux vendre une arme? Bon, de laquelle? Oui, effectivement. Ça me paraît une bonne idée. Donc, je suis à 5000 déjà. Et plus beaucoup avant le. Putain, vache. La masse, elle est. Je trouve belle. Elle est belle, la masse. Attends, est-ce que je peux vendre aussi autre chose, tiens? Marchand de quoi? De viande. Est-ce que je peux te vendre quelque chose? Je peux te vendre des objets? Ouais, viande. Tarte aux pommes. Allez. On fait toujours ça. On va se débarrasser de tout le superflu. Quand je dis tout, c'est tout. Même les vêtements, les autres vêtements là que j'utilise pas. Parce que pour info, je vais garder cela jusqu'à la fin. Hein. C'est foutu, hein. Si vous voulez m'apporter autre chose. Va falloir que vous soyez une centaine, hein. Et encore, je suis pas sûr de. Voilà, hein. Moi, je suis un violent, moi, hein. Donc, sans déconner. Il n'y a pas de marchand de vêtements. C'est con. Totalement con. C'est quoi? Mettre du jeu? Non, on prend la faute. Que? Ah, Berman. Est-ce que je peux vendre autre chose? Non, on peut rien de vendre. Merde. C'est pas grave, donc. Tant que c'est pas grave. Allons parler à un chien fou. Merci. Chien fou, c'est il y a encore des inconnus qui essaient d'entrer dans l'arène. Tout le monde sait qu'il faut être célèbre pour se battre ici. On va faire chose quête. Non, c'est bon. Je suis désolé, mais je crains que ce ne soit un secteur plutôt violent. Et il ne s'agit pas que de décapitations sanglantes. Les gens paient pour voir des grands noms comme Willy la Brute ou Sally la Terrible. Ah non, pas des inconnus. Ah oui, et comment tu t'appelles? Moi? Tout le monde me connaît. Je suis Chien Fou Magro, l'étrangleur. À l'époque, c'était le meilleur combattant de l'arène. C'est un peu redondant, non? Quoi? Comment ça? Mais pourquoi te faire appeler l'étrangleur si t'es déjà un chien fou? Ah, c'est intimidant, non? Non, pas trop, non. Je trouve pas ça clair. C'est quoi ce bruit derrière? J'aurais compris si tu t'appelais Irvin Gibbons, l'étrangleur. Ça fait plus dur, n'est-ce pas? C'est pas comme si tu t'appelais vraiment chien fou. Vous savez, je n'y avais pas pensé avant. Mais elle marque un point. Absolument pas. Absolument. Écoutez, pas, c'est pas vrai. Si sens. Vous voulez participer, allez vous faire un nom et ça pourra peut-être intéresser la foule. De la voilà. Chance. Voilà ce qu'il vous faut pour être célèbre en un rien de temps. C'est tout.
Impossible de laisser entrer votre amie, par contre. Elle peut rester là et se moquer de mon nom tant qu'elle veut. C'est cool, ça. Très belle prestation. 138 points, c'est pas grand-chose, au pire. Les hommes dont on avait vraiment besoin. Seulement l'un d'entre eux. Héros, trouve le moyen d'impressionner ces hommes, et sans l'aide de personne. Il reste encore plein de gens dans le monde que tu peux aider. Eh ben, on va faire, je pense, une quête suffira. Elles feront ta Teresa réputation. Teresa, ta gueule. Ta gueule. Donc, on va faire boule de neige, rescousse, des esclaves trouvés, non. Bon, je suis partenaire. Ah, ça, c'est facile, tu vois. Les 5 pièces d'or et paf. C'est direct, mais bon. À la rescousse de la lumière, massacre de Kfield. Le temps des hommes ont décidé de... Ah, ça m'intéresse. On va la faire celle-là. On va aider le temple des ombres. C'est si terrible. C'est si méchant. Pardon. Et c'est une seule... On s'en fout. Pas là, il est temps de prouver votre allégeance aux forces des ténèbres. Une pas de problème. Dis-moi. Dis-moi ce qu'il faut faire. Je veux que vous alliez éradiquer tout signe de vie à Oakfield. Ok. C'est tout. Bon niveau. Voilà la grande quête. Longtemps j'ai rêvé de ce. C'est bon, ta gueule, on y va. J'ai envie de faire la reine quand même. Hein. Je la trouve mal introduite, mais la reine, mais je veux la faire quand même. Hein. Introduite, je veux dire par là que dans le 1, je trouve qu'elle était mieux inscrite dans le scénario du jeu. Là, dans le 2, c'est tu dois faire la reine pour aller faire le truc. Dans le 1, c'est plus. Je sais pas, je trouve ça plus fin comme. Intégration de la reine. Enfin, moi je trouve, après je sais pas. Là dans le 2, c'est vraiment tu dois faire la reine pour aller faire un truc machin. C'est un sentiment que j'ai, hein. Je. C'est tout, hein. Si quelqu'un a une remarque, hein. Je suis ouvert à toute discussion. Hein. Il n'y a pas de problème. Oui, il y a une raison. On va juste décimer hein, pour faire la reine, c'est tout. Quoique, si je me fais des sous après. Intéressant. Bon, on verra bien. Encore un temps de chargement, évidemment. 50 clés d'argent, 50 gargouilles disséminées dans le monde. Ah, 50 clés quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chiens dans le monde d'Albion, hein. Il n'y a que le mien. Pourquoi pas. Pour que. Allez. Allez, voilà. C'est donc toi le nouveau, le chouchou de Grimm. Je suppose qu'être modérément maléfique n'est plus assez bien maintenant. Non, c'est vraiment maléfique. Plus assez mal. Oh, t'en fous, temps. J'aimerais vite aller me coucher. Pour info, on a barricadé la sortie pour toi. Ils ne peuvent pas fuir, donc prends ton temps. Et tue tous les gens que tu vois. Mais pas nous. Ah, c'est bien de préciser ça. J'allais le faire. Parce que franchement, j'allais le faire. Population 36.